présente aujourd'hui Idelo. Idelo, c'est une plateforme de français langue seconde qui permet d'avoir accès à une infinité de ressources. Idelo, c'est différentes vidéos de sciences, d'histoire, de mathématiques. C'est aussi un accès à des dossiers de lecture, différents documents qui sont mis à votre disposition, des jeux, de toutes sortes de matières, toujours adaptées selon le niveau et le style d'apprentissage. C'est une ressource qui est pour qui? Pour les enseignants, pour les éducateurs, les étudiants et aussi les parents. Comment utiliser Idelo? Commencez par vous inscrire. Allez sur le site web et créez votre propre compte pour ensuite entrer les informations nécessaires à votre inscription. Alors que vous entrez sur le site, choisissez la langue de votre choix, anglais ou français, puis commencez à aller explorer les ressources en cliquant sur l'onglet « Explorer les ressources ». Vous pouvez alors l'adapter au niveau de l'apprenant, la matière que vous enseignez ou que vous voulez apprendre. Et l'avantage, vous pouvez l'adapter selon le niveau de français en seconde. Idelo, c'est aussi un accès à des formations en ligne. Pour vous, les enseignants, ou même pour les parents, vous pouvez accéder à des formations en vous inscrivant à l'avance, et tout cela se fait en ligne. C'est aussi une zone de partage, une communauté. Vous pouvez partager vos favoris, vos activités que vous avez créées en créant vos propres groupes. Pourquoi utiliser Idelo? Parce que ça permet d'avoir un accès à une infinité de ressources d'apprentissage et d'enseignement. Ça permet à vous, les étudiants, de travailler la compréhension en français langue seconde selon votre niveau. Ça vous permet aussi de développer vos compétences, votre autonomie et de prendre en charge votre propre apprentissage. Vous pouvez aussi avoir des ressources adaptées à votre niveau, à votre style, selon les thèmes que vous voulez apprendre. C'est aussi bon pour vous, les enseignants, puisque ça aide à la planification de vos cours. Vous pouvez créer vos favoris, classer les différentes activités que vous avez triées ou créées. Ça vous permet aussi de créer votre propre communauté en ligne. Une communauté où vous pouvez partager avec votre classe, avec vos différents étudiants et qui vous permet de garder un contact avec eux. Quand utiliser Idelo? Idelo peut vraiment s'utiliser à tout moment. Alors, pourquoi pas commencer à utiliser ce logiciel dès maintenant?